Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée, qui prend la direction de Deauville hein, ce samedi 4 février. C'est vrai que euh, depuis quelques semaines, les week-ends sont principalement euh, réservés à l'hippodrome de Vincennes. Du coup, voilà une petite exception à hein, ce samedi 4 février avec euh, la troisième course du programme en réunion 1 euh, du côté de Deauville, avec le prix du tréport, un hein, handicap euh, bien entendu divisé, une première épreuve euh, qui est réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au dessus. 1900 mètres hein, à parcourir, euh, une distance qui est assez classique hein, euh, finalement euh, sur cet hippodrome. 16 concurrents départ, on a fait bien entendu le plein de partant. On a vraiment euh, des spécialistes hein, du parcours, euh, des spécialistes des quintés au départ. Donc voilà, on va faire un petit point. Euh, J'aime bien ces, ces quintés plus parce qu'en général. C'est assez logique, on va dire, entre guillemets, même s'ils ne sont pas forcément faciles. En tout cas, c'est vrai qu'en théorie, euh, c'est souvent respecté. On va rapidement entrer, comme je l'ai dit dans le vif du sujet. Hein. J'ai retenu en tête de ma sélection l'As Pont Mirabeau. Euh, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Vous allez voir, il y a une course référence hein, qui s'est disputée il y a environ trois semaines. Euh, c'est le prix euh, de Cherbourg. C'était sur ce même parcours. Hein. On retrouve le deuxième, le troisième, le quatrième et le sixième, entre autres, euh, de cette euh, compétition. Et c'est vrai que Pont Mirabeau courait vraiment de belles manières. Hein. Il avait déjà pas un numéro très favorable dans les stalles de départ. Je crois qu'il avait le 14. Là, il a le 13. Euh, c'est un peu mieux, mais c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, le Pérou. Hein, donc euh, voilà, euh, ça, ça va être un petit peu en sa défaveur maintenant. Euh, la dernière fois, il courait vraiment très très bien. Il a fourni une belle fin de course. C'est un cheval qui en général court assez euh, Assez euh, espacé, voilà c'est le mot que je cherchais. Euh, vous le voyez en hein, 2022 il n'a pas beaucoup couru. 2021 pareil c'est un cheval qui a 5 ans mais qui a pas énormément couru, qui est encore tout neuf hein, malgré tout. Et euh, c'est vrai que là il court seulement à 3 semaines, c'est rare mais j'ai regardé euh, par le passé lorsqu'il courait à 2-3 semaines il se comportait bien, même mieux que lorsqu'il courait espacé du coup. Euh, c'est pour ça que je le retiens en tête parce que je pense que le fait euh, de courir à 3 semaines ça va jouer en sa faveur. C'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif hein, à ce niveau-là. Il avait remporté un quintet d'ailleurs. Euh, à l'âge de 3 ans, une valeur un peu moins élevée, mais il avait confirmé derrière une valeur à peu près similaire. Donc euh, voilà, je pense vraiment que l'un dans l'autre, c'est un concurrent euh, qui euh, a été dirigé sur ce parcours euh, depuis euh, maintenant début novembre, et maintenant qu'il a deux courses là-dessus, je pense qu'il est vraiment capable d'en remporter un handicap de ce genre-là. Attention à lui, pour moi, c'est une priorité. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5 un hein, great rotation Bah, lui, depuis qu'il a été orienté euh, sur le sable, ça se passe vraiment très très bien. Hein. Trois tentatives euh, sur des pistes en sable et furie. Il a terminé deuxième euh, d'un gros handicap. Je sais pas si on a cette performance. C'était du côté de Chanty. De euh, C'était euh, non, on l'a pas, mais. Il courait vraiment très très bien en terminant puisque c'était face à ses, euh, face à ses euh, contemporains. Donc, du coup, là, euh, dernièrement, vous le voyez, quatrième de la course référence. C'était la première fois qu'il affrontait ses aînés. Et c'est vrai qu'il courait vraiment de première euh, dans cette compétition-là. Numéro 4 dans les stalles de départ, c'est vraiment avantageux également. Voilà, euh, Simon Planck euh, qui lui sera une nouvelle fois associé. C'était déjà l'association dernièrement. Euh, J'aime beaucoup, c'est un super finisseur, s'il a le bon parcours. Je pense vraiment qu'il a un handicap de ce genre lui aussi dans les pattes. Et euh, je lui vois lui aussi une première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le neuf, Youngman. Hein, Youngman, bah, Young il a terminé deuxième de la course référence. J'ai pas inventé grand-chose hein, avec ces trois concurrents qui euh, sont les trois mieux classés de la course clé. Euh, ils sont en forme, ils sont compétitifs à ce niveau-là. Et puis Youngman, il avait un très bon numéro la dernière fois dans les stades de départ. C'est une nouvelle fois le cas avec ce numéro 2, Et puis regardez, on fait avec à Christophe Soumillon. Euh, C'est quand même pas rien, hein. euh, Christophe Soumillon qui sera associé à ce Youngman. C'est vraiment un avantage également euh, de choix dans cette compétition. Voilà, avant le coup, lui aussi, je pense que c'est vraiment un concurrent qui présente de sérieuses garanties et qui devrait une nouvelle fois confirmer ses bonnes dispositions. Ensuite, en quatrième position, bah, j'ai retenu le 8-1, hein, Portalis. Alors Portalis, c'est un cheval qui adore les pistes en sable. Euh, sur ce parcours, je ne sais pas si on est décès. voilà, regardez, il vient de s'imposer. Euh, C'était bah, justement la deuxième épreuve euh, du prix de Cherbourg, le prix de la gare transatlantique. Du coup, euh, le fait d'avoir gagné lui a valu une pénalisation de 2,5 kg, je, je crois. Euh, il se retrouve désormais en première épreuve, mais il a prouvé hein, dans les premières épreuves qu'il était capable de bien faire. Je ne sais pas si on a cette euh, sortie dans un quintet où il terminait euh, à l'arrivée. Non, on ne l'a pas, mais en tout cas, euh, j'ai regardé euh, ses euh, statistiques sur ce parcours. En 3 sorties, il compte deux victoires et une deuxième place. Euh, on peut pas rêver mieux. Euh, pour ce Portalis, c'est un concurrent qui est aussi bien capable d'aller de l'avant que d'attendre. Numéro 5 dans la stade de départ, c'est excellent. Alors voilà, il a certainement moins de marge hein, maintenant qu'il est pris, euh, je crois, en 37,5. Mais bon, euh, je trouve quand même qu'il a une belle carte à jouer et qu'il est certainement capable de confirmer au moins pour une belle place. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 4, un Bozio. Alors, Bosio, euh, c'est un cheval qui a terminé 6ème de la course référence. Euh, vous allez le voir euh, ici. Euh, voilà, il a terminé aux portes du Quintet. Maintenant, c'était sa 3ème course après une longue absence. Il faut savoir que l'hiver dernier, il avait réussi à remporter un Quintet en valeur 38. Là, il est en 38,5. C'est carrément similaire. Euh, un cheval qui est sur la montante, numéro 6 dans la salle de départ. Anthony Crastius, qui le connaît bien. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Euh, c'est vrai que. Euh, c'est l'une des belles possibilités, je l'ai retenu seulement 5ème parce qu'il faut faire des choix Mais je le retiens quand même assez haut parce que j'y crois vraiment pour une place dans les 5 premiers Et avant le coup lui aussi il faut s'en méfier tout particulièrement Ensuite en 6ème position euh, j'ai retenu le 12, hein, super super Sonic Alors super super Sonic euh, c'est un bon cheval, la dernière fois seulement 12ème Maintenant c'était une rentrée, lui ce parcours il l'adore également, il l'a prouvé euh, l'an passé Maxime Guyon qui est aussi oh, au le qui pardon qui est en selle sur ce pensionnaire de Anastasia Batel. Euh, c'est vraiment un avantage, je pense que lui aussi hein, il va afficher des progrès euh, sur sa récente rentrée. Il a prouvé qu'il était compétitif, en plus je crois qu'il a perdu une livre hein, euh, au niveau de sa valeur, je crois qu'il est pris maintenant en 35,5 en tout cas. Il est compétitif. Euh, le fait de savoir à quel niveau de forme il est exactement est le seul petit bémol, on va dire, parce que la dernière fois euh, il est seulement 12ème, mais il courait pas si mal que ça, hein. sa fin de course était quand même assez plaisante. Et comme j'ai dit avec Maxime Billon, je pense qu'on est obligé de s'en méfier et moi je l'ai retenu en 6e position. Ensuite en septième position, j'ai retenu le numéro 7, hein, Bougainvilliers, Alors Bougainvilliers c'est le débutant euh, dans cette compétition. Hein. Il n'a jamais couru euh, niveau des rangs avec mais bon vous le voyez, euh, c'est un cheval qui est régulier. Euh, je crois qu'il vient de s'illustrer sur la piste euh, en sable euh, de Lyon-La Soie. Euh, j'ai regardé, c'est pas évident forcément pour un, un poulain de 4 ans euh, de faire les lignes par rapport à d'autres pour savoir s'il est compétitif, à la valeur à laquelle il est pris. Maintenant, euh, j'ai regardé l'hiver dernier ou alors même au, au printemps, hein, fin d'hiver, début de printemps, il avait gagné, euh, je crois, sur le, le sable de Marseille. Et euh, c'est vrai qu'il battait euh, des concurrents qui ont confirmé euh, dans les handicaps à des valeurs supérieures à la sienne. Euh, du coup, je me dis qu'en théorie, il a une belle carte à jouer et il a en plus un bon numéro dans la salle de départ, Gérald Mossé qui est en selle. Je pense qu'il est capable de réaliser de bons débuts dans cette catégorie et je m'en méfie, c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 2. Hein. Exciting. Alors Exciting, euh, on le connaît aussi. Hein. Lui aussi a couru la course référence. Il n'a pu faire mieux que 14ème. Euh, maintenant, lui non plus, c'était pas si mal que ça. Euh, faut savoir exactement euh, dans quelle mesure il a évolué sur cette tentative maintenant. Il a prouvé euh, au printemps dernier, notamment qu'il avait euh, l'aptitude à ce parcours. Hein. Il avait terminé quatrième euh, d'un quinté et notamment derrière euh, Super Supersonic qui terminait 3 Donc voilà, je pense qu'il est dans sa catégorie, qu'il est compétitif à cette valeur. Le seul euh, petit euh, bémol, le seul petit X, c'est de savoir où il en est physiquement. Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour jouer un très bon rôle Moi, je m'en méfie parce que euh, Christiane Demureau le connaît parfaitement. Et c'est, en théorie, une chance également euh, dans les cinq premiers. Et enfin, en cas de non-partant, j'ai retenu le, le 15, hein, Circo Massimo. Euh, Circo Massimo qui va affronter pour la première fois ses aînés. Il a montré de la qualité. Il est bien plus à son affaire hein, depuis qu'on lui met les œillères. Voilà, maintenant, euh, faut savoir de quelle marge il dispose face à ses aînés, euh, mais en théorie, euh, je trouve que ouais, je, dis, je me répète souvent en hein, disant en théorie parce que c'est vrai que c'est des handicaps et que pour moi, euh, la théorie avant tout, maintenant, euh, c'est un concurrent euh, qui va quand même découvrir une, un handicap face à ses aînés, un gros handicap. Mais bon, je pense qu'il va quand même être, pas être ridicule, mais bon, pour les premières places, ça peut être un peu juste. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As Pont Mirabeau que j'ai retenu devant le 5 Grete Rotation, le 9 Youngman, le 8 Portalis, le 4 Bozio, le numéro 12 Super Supersonic, le 7 Bougainvillier et le numéro 2 Exciting. Et en cas de non partant, le numéro 15 Circo Massimo. En conseil de jeu, euh, bah, écoutez, euh, pour et euh, j'ai repris la même ligne en fait. Euh, Pont Mirabeau, Lass, Great Rotation le 5 et euh, Youngman le 9. Ce sont les trois mieux classés de la course référence. Ça reste un handicap, ça va être une question de parcours, mais je pense que les trois sont capables une nouvelle fois de terminer dans les 3-4 premiers. Donc voilà, moi je vous les conseille une nouvelle fois parce que je trouve vraiment qu'ils ont une belle carte à jouer on va faire un petit point également sur le Quintet, plus qui s'est disputé euh, du côté euh, de euh, Vincennes hein, ce jeudi euh, 2 février avec Febson qui avait été préparé avec soin euh, je pensais vraiment que Le Bourgeois allait prendre tête et corde et c'est ce qu'il a fait franchement il l'a fait de belle manière, hein. il a bien résisté à Gitano le numéro euh, 5 pour finir le 13ème Road de baie, favorite qui court très très bien également euh, au 25 mètres, Febson d'Ariane hein, qui se comporte également très bien malgré euh, la présence de CKD puis le 6 éolien de Chenu qui a eu le bon parcours côté corde et euh, c'est vrai que ça lui a permis euh, de venir compléter la de ce quintet dans lequel euh, le numéro 10, hein, gala TJ, était non partant. Euh, déception hein, par contre, du côté euh, de Fine Colline qui a rapidement rendu les armes vraiment très décevante. Euh, J'espère que elle va, elle va mieux courir la prochaine fois ou qu'en tout cas qu'il n'y avait pas eu un souci avec elle. Mais en tout cas, très décevante cette Fine Colline. Euh, du côté de nos deux top pro nature sélection qui vous indique bien entendu tiers écarté et quinté hein, pour plus de 100 euros au niveau du quintet, plus un trio assez rémunérateur. Donc voilà, une bonne journée de la part de nos. Deux rubriques, vous pouvez les tester. Hein. Ces deux rubriques, c'est à partir de 1€ euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche hein, pour être au courant euh, des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi euh, une nouvelle fois. On se retrouve dimanche. Ce sera du côté euh, de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.